Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, et moi je vais plutôt bien. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment... Enfin, je peux pas appeler ça vraiment un coup de gueule ou quoi, mais c'est vraiment une mise en garde, parce que depuis le début de ma chaîne, je vous ai fait gagner pas mal de VIP, des cartes cadeaux, etc. Et à chaque fois qu'une personne gagnait quelque chose, eh bien, forcément, vu que son nom de compte était montré sur le live, où la personne elle gagnait, eh bien il y avait toujours des gens pour la contacter, pour lui dire voilà, donne-moi ton compte, donne-moi ton mot de passe, tiens je te remets du VIP sur ton compte, ou je t'échange contre un autre compte d'un an, donne-moi ton mot de passe, etc. Bon, certes, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont tombés dans le panneau, mais depuis le début, je sais pas, j'ai dû donner au moins une cinquantaine de VIP, etc., de cartes cadeaux. Il y a quand même deux personnes qui sont tombées dans le panneau. Enfin, de ce que je me souviens moi. Du coup, c'est vraiment pour vous, déjà pour deux raisons. Déjà, d'une, vous mettre en garde contre ça. Donc, si vous gagnez par la suite, et même en général, si vous ne gagnez pas mais que vous avez un compte VIP, ne répondez pas à ces messages-là. Signalez directement les personnes qui vous envoient ce genre de messages. Parce que jamais une personne qui sort de nulle part va vous échanger un VIP d'un an contre votre petit compte niveau je sais pas combien, avec seulement une semaine ou avec seulement un mois. C'est n'importe quoi, même si c'était plus, même si vous étiez je sais pas combien. Non, n'y croyez pas, ce sont des conneries. Des conneries, les gars, des conneries. Désolée d'être sec, mais c'est vrai, c'est comme ça. C'est vraiment pour que vous ne vous ayez pas arnaqué, vraiment. Parce que moi, ça me saoule derrière, parce que je me dis, mais merde, j'ai investi quand même un petit peu d'argent. Ou quelqu'un a investi de l'argent, parce que des fois, on m'aide également. Et derrière, la personne se fait arnaquer par une personne malhonnête. C'est pas un coup de gueule contre les personnes qui gagnent, hein. Non, non, pas du tout. C'est juste vraiment pour que vous puissiez vous ancrer ça et vous dire que oui, effectivement, elle a peut-être pas tort la quinzelle, parce que je vois pas pourquoi quelqu'un me donnerait un compte d'un an pour un petit compte comme celui-ci. Et puis même, n'y croyez pas, quoi. Et deuxième chose, pour dire aussi qu'il y a des personnes qui m'ont extrêmement déçue. Parce que moi, on m'envoie des screens, hein, on me dit les pseudos des personnes qu'ils essayent d'arnaquer. Et je connais maintenant les pseudos des personnes qui veulent arnaquer. Enfin, des pseudos des gens qui n'utilisent leurs comptes principaux. Déjà, bon, je suis désolée de le dire, hein, mais je vais le dire dans cette vidéo. Mais vous êtes bête, mais vous êtes bête. Vous utilisez votre compte principal pour essayer d'arnaquer des gens. Vous n'avez pas peur pour votre compte. Moi, je le dis tout de suite, les gens qui ont fait ça, ben moi, je vais les signaler en masse. Je vais les signaler en masse. Je le dis, vous allez peut-être perdre votre compte par la suite. Bon, c'est pas non plus pour vous inviter à utiliser un nouveau compte ou quoi, mais oui, il y a des gros, même des youtubeurs qui font ça, des youtubeurs MSP qui le font, des gens qui ont un certain niveau sur MSP, et je comprends pas pourquoi ils font ça. Enfin, le truc c'est vraiment avec leur... Bah peut-être aussi que ça influence le fait que la personne ait un gros niveau et soit peut-être youtubeur, ça influence peut-être d'autres personnes à y croire, etc. Mais non, n'y croyez pas les gars, n'y croyez pas vraiment. Bon bah voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je crois que je n'ai rien oublié, mais vraiment, numéro 1, ne faites pas confiance. Numéro 2, je vous ai à l'œil les gens qui essayent d'arnaquer, je vous ai à l'œil et les personnes qui essayent d'arnaquer. Eh bien, certes, je vais pas dire le pseudo en live parce que je fais pas de discrimination. Enfin, de... Comment on appelle ça déjà? La diffamation, je crois. J'allais dire discrimination, mais non, la diffamation. Je fais pas de diffamation ou quoi, et je vais pas non plus faire de pub à certaines personnes parce que peut-être c'est ce qu'elles veulent, je ne sais pas. Mais ces personnes-là, moi, je vais aller signaler et je vais demander aussi à des personnes de les signaler pour des raisons justement de demande de mot de passe, etc. Et ensuite, les modérateurs feront ce qu'ils ont à faire. S'ils le font pas, c'est qu'ils font mal leur boulot. S'ils le font, tant mieux. Et les personnes derrière, elles vont pleurer, j'espère bien, parce que enlever le VIP à des personnes qui n'ont peut-être jamais été VIP, qui sont peut-être un peu plus naïfs que d'autres, moi je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais été VIP de leur vie vraiment et qui aimeraient, qui kifferaient, et que peut-être qu'une fois qu'ils le deviennent, et ben se font arnaquer derrière. C'est juste pas possible. Il faut vraiment pas avoir de cœur pour faire ce genre de choses. C'est n'importe quoi. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo.